Hola chiques! Salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, on est le combien? 24 février 2021. J'ai cours en ligne aujourd'hui. En fait, il y a une meuf dans ma classe qui a été testée positive au Covid. Du coup, ils ont préféré passer tous nos cours en ligne. Et je commence à 11h30. Il est actuellement 9h quelque chose. Non, là, j'ai pas le réglé. Non, qu'est-ce que je dis? Il est 8h36. Je sais pas si ça se voit, mais il est 8h36 et pourquoi je suis déjà prête machin etc, c'est parce qu'on va me couper l'électricité et l'eau vers 9h pendant genre 1h. J'ai l'impression que chaque fois que je vlog on me coupe quelque chose. Heureusement, normalement il m'a dit que ça allait durer maximum 1h parce que bah moi du coup j'ai cours à 11h30 sur Teams, donc bref voilà. Donc je vous emmène avec cette petite journée de vlog, parce que généralement quand je vlog c'est souvent plus mes jours de télétravail, pas mes jours de cours. Parce que bah, c'est un peu badant de tout transporter en cours, surtout que j'ai que genre 15 minutes de pause entre mes cours et puis enfin bref, c'est un peu chiant. Mais là comme je suis en ligne chez moi à Lille pour changer, venez avec moi regarder ma journée. Aussi quelque chose que je n'ai pas fait hier, que j'aurais dû faire, c'est peut-être mieux avec la lumière pour juste filmer. Je n'ai pas fait ma vaisselle hier soir, du coup c'est ce que je vais faire. Commandez ceci, et ça arrivait hier sur Amazon, c'est un mousseur de lait. Du coup, je vais l'utiliser aujourd'hui parce que j'ai trop hâte. Si je suis du match. Voilà. Tout ça pour ça. No regrets. Ça m'a coûté. Ce petit engin-là coûte 15€ sur Amazon, mais c'est parce que celui-là il est rechargeable avec un câble. Tandis que si vous voulez pas payer les 15 balles mais que vous voulez quand même tester, je sais qu'ils en vendent chez Ikea. En Ikea France c'est 3€, Ikea Belgique c'est 2 et c'est à pile. Mais voilà, c'est 2€. Mais mon père m'a fait non, c'est dead, je t'achète pas un truc qui fonctionne à pile. Du coup, je l'ai trouvé sur Amazon, ils m'ont fait ah, ok, allez, c'est bon. Du coup, voilà. Oh, ça change tout le goût, wesh. Par contre, je dois trouver de la vanille. Généralement, quand je suis en Belgique, je mets de la vanille. Mais je sais pas où acheter de la vanille ici. Mais, oh, c'est grave. J'avais été montrer à ma voisine comment ça avait moussé mon lait. Parce qu'en fait, j'ai commandé sur Amazon dimanche et ça arrivait hier. Et j'étais un peu stressée parce que genre pour arriver à notre endroit du bâtiment, machin, c'est compliqué. Enfin bref, du coup, c'est bien arrivé. Là, je suis en train de faire tout charger, tous mes trucs électroniques parce que on va couper l'électricité. Mais maintenant, en fait, le type il avait dit à 9h, mais là il est 9h21 et toujours rien. Je crois que je vais jouer un peu à la Switch parce que, genre, j'ai été sur l'île de Olivia hier. Vous l'avez sûrement vu dans mes vlogs de Corée et puis dans d'autres vlogs probablement, parce qu'on était souvent ensemble jusqu'à ce que moi je vienne étudier ici, qu'Olivia aille étudier en Suède. Mais du coup, j'ai été sur son île. D'ailleurs, j'ai découvert que si tu veux aller visiter les îles des gens, tu dois payer 20 balles par an. Mais bon, anyway, voilà, ça reste utile. En fait, c'est utile, entre guillemets, genre, t'es un peu coincé, genre, tu dois... J'ai déposé ça là. Attends. Genre, j'étais un peu coincée à payer ces 20€ parce que, au final, bah,
Genre, si je veux plus tard acheter Mario Kart et des trucs comme ça, bah en fait, je vais avoir besoin de l'abonnement Nintendo Shop Online, machin, etc. pour pouvoir, genre, jouer à plusieurs ou. Pourquoi c'est tordu comme ça? Jouer à plusieurs ou tout bêtement, genre, bah, visiter les îles de mes potes, du coup. Du coup, j'ai filmé aussi, enfin, j'ai pas filmé, mais j'ai montré sur Instagram mon petit mousseur de lait parce que. J'étais trop fière, je suis trop fière d'avoir acheté ce bail. C'est vraiment genre ce genre d'achat. Ce genre d'achat, on se dit, mais pourquoi t'achètes ça? Mais comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire des cafés, des matcha latte à la maison, j'avais envie d'un mousseur à lait. Mais comme j'ai dit, hein, il y a la version plus. Enfin, il y a la version avec pile du coup, et ça coûte 2 ou 3 euros chez Ikea, dépendant si vous êtes en Belgique ou en France. Donc honnêtement, ça vaut la peine. Si vous l'utilisez pas souvent, machin, etc., bah, ça vaut sûrement la peine de prendre peut-être 100 piles pour vous. Je sais pas, en fait. Je sais pas trop, je crois que je conseillerais pas de prendre des trucs avec piles parce que pour l'environnement c'est mauvais, mais après les piles on sait les recycler, etc. Mais à choisir, mieux vaut prendre un truc rechargeable, mais enfin voilà, si vous n'êtes pas quelqu'un qui va l'utiliser tous les jours, machin, etc., peut-être ça vous revient moins cher de prendre avec piles. Je sais pas. Je sais pas. Mais moi je sais que enfin, je fais des cafés, des matcha quasiment tous les jours, donc je vais l'utiliser, je vais le rentabiliser immédiatement. J'attends de voir mon cours s'afficher. Wesh. J'ai demandé à Olivia s'il y avait des poufs, genre le meuble, et elle m'a dit il y a la personnalité arrogante pour les meufs. Mais je parlais du meuble, je suis mort. Yo, bon là je viens de terminer mon cours. Juste après on a le même cours mais en autonomie. Et le truc c'est que en fait c'est du n'importe quoi. Genre ça a pas de sens les deadlines et tout. Genre la prof elle veut qu'on ait fini la moitié du cours en ligne. Pour le 29 mars. Elle veut qu'on ait fini la moitié du cours pour le 29 mars, mais on doit finir tout le cours avec tous les assessments, etc. pour le 2. Et au final, en fait, non, c'est le 1 parce qu'elle, c'est les dernières heures du cours. Enfin bref, c'est du nimp. Et du coup, elle nous a dit qu'elle essaierait de voir plus clair parce que même, genre, pour tout à l'heure, le premier travail qu'on a à faire, genre, on doit rendre un devoir What About You, je sais pas quoi. Et genre le PowerPoint qu'ils nous ont donné pour se baser là-dessus, il date de 2018 et c'est pas vraiment le nom de notre cours. Et puis enfin c'est super chelou, du coup elle a dit qu'elle allait se renseigner. Enfin bref, on nage dans l'incompréhension, on comprend pas. Du coup là tout de suite il est 13h, je meurs de faim mais j'ai mangé une banane entre-temps pour justement me caler un peu ma faim pour pas commencer genre à manger alors que genre bah j'ai cours techniquement. Donc voilà. Mais je vais du coup faire des avocados toast avec un œuf au plat. Je ne l'ai pas sorti pour faire un œuf poché, donc ce sera un œuf au plat. Parce que j'ai envie d'un petit brunch, plutôt. Sauf que je sais pas couper quand elle est. Putain, regardez ça. La première ligne, elle est là. Ma deuxième ligne, elle est là. Je sers vraiment à R. Going 17-20-21, opening title sequence. Je regarde, c'est vrai qu'ils vont reprendre et j'ai toujours pas vu les deux derniers épisodes de Going 17 avant qu'ils partent en break. Hein? Je vais regarder ça ce week-end. T'as tellement faim que t'as l'impression que t'as un trou dans l'estomac. Du coup, je sais pas si je l'avais expliqué, mais il y a très peu de temps, j'ai eu une sorte de rage de dents parce que j'avais mangé trop sucré. Enfin, j'ai eu super mal à la dent pendant une journée. Du coup, maintenant, je me lave les dents 3 fois par jour. Je me lavais les dents 2 fois par jour, mais maintenant, genre, j'ai dit non, c'est dead. Chaque fois après les repas, je me brosse les dents. Petite update de mon cours. En effet, on n'avait pas les bons trucs pour faire notre exercice. Ils se sont trompés. Du coup, on a perdu 1h30 pour rien. Enfin, je me suis avancée dans un autre truc. Je suis avancée dans anglais et tout, mais
Je sais pas comment on va rattraper cette heure de perdu. Parce que nos prochains horaires, c'est chaque fois des 8-19, donc ils vont plus nous mettre de pause de midi, on va devoir bosser. Oh my god. Et au final, ils ont pas coupé l'électricité, donc je me demande s'ils vont pas couper demain, mais genre demain. Est-ce que j'ai des calls demain? Parce qu'en vérité, moi, c'est les calls qui pompent de la 4G. Non, j'ai pas de call. J'ai pas été dormir si tard que ça. Enfin, quand j'ai mis mon épisode de How I Met, parce que maintenant How I Met est sur Disney+, je vais pleurer. Quand j'ai mis mon épisode de How I Met, il était déjà, enfin il était 1h30 quoi, mais ça va comparé aux horaires que je peux avoir. Le truc que j'ai vu, c'est que à un moment je me suis réveillée pour baisser mon ordi, mais en fait quand je me suis réveillée ce matin, quand j'ai ouvert mon ordi, j'ai vu que j'avais déjà vu 9 épisodes avant que je ferme mon ordi. Donc il y a quand même 9 épisodes, bon même si c'est que des épisodes de 25 minutes, hein, mais il y en a quand même 9 qui sont passés, ça veut dire que ça fait plus ou moins... ça fait presque 5 heures qui sont passées avant que je ferme mon ordi quoi. Bon allez, on va dire 4h30. Il est un peu tard pour moi pour prendre un café là maintenant et pour en faire un, j'ai trop la flemme, du coup je prends juste un petit peu de sucre et si je suis trop fatiguée, bah, je prendrai un Dextro Energy. Ok, Evelyne. Oui, bonjour. Pour ma caméra, moi, là tout de suite, on vient de me couper l'électricité. Je sais pas jusque quand. Du coup, pour l'instant, je suis sur ma 4G, donc je préfère éviter de mettre ma caméra. Je comprends. La pomme est beaucoup trop grande. Le prof nous a fait faire un truc du genre One lie, one truth. C'est un peu gênant, mais je suis passée. Là en plus il s'est trompé d'heure, enfin genre notre pause elle est à 17h15 et là il est 17h20, genre j'ai pas envie de terminer à 19h15 en fait. Je mange cette pomme, j'ai déjà faim. Elle va me caler jusqu'à 18h, jusqu'à 19h plutôt. À 18h moi je mange, à 18h moi j'ai faim. Une pomme, ça va pas me caler. Ok. Du coup, là, mon cours vient enfin de terminer. Je devenais folle, j'en avais trop marre. Mais bonne nouvelle, je vous parlais de la nouvelle chanson de Alexandra Porat qui venait de sortir, Girlfriend. Je l'ai postée dans ma story, elle l'a re-share et puis j'ai tweeté sur Twitter qu'elle avait share ma story. Et elle m'a répondu. Elle m'a dit « I love you too ». Je vais pleurer, franchement je vais frame ce truc-là. Je vais le frame. I love her so much. Bref, maintenant j'ai la dalle. Du coup, ce que je vais faire, c'est des pâtes pesto. Avec ce qui me reste de pâtes. J'ai des grandes pâtes, je crois, qui me restent. Et voilà. Il faut attendre que les pâtes se cuisent. Je sais pas pourquoi l'éclairage est super lumineux, je crois que c'est pour la télé. Du coup, j'ai mes pâtes. J'ai ma petite salade. J'ai les sorties de Waverly Place. Si je peux vous tourner, va. On voit R, mais c'est les sorciers de Waverly Place. Et du coup, là, je vais manger parce que j'ai trop faim. Par contre, c'est dead. Je vais pas rester habillée comme ça. Donc, j'ai mon short, mais mon t-shirt est plus long. Et puis, j'avais envie de mettre un pull. Putain, je dois filmer en auto. C'est la première fois que je filme en auto. Ça va me casser les couilles après au montage. Mais sinon, je ressemblais. Enfin, genre. Sinon, c'est. C'est beaucoup trop éclairé. Bref, du coup, comme vous l'avez vu dans la vidéo la semaine passée, je sépare ma frange avec des pinces cette fois-ci. Quand je mets un masque, je préfère séparer ma frange avec des pinces parce qu'il y a tous les petits trucs qui restent bien calés. Merde, je l'ai mis. Et du coup, là cette fois-ci, je vais faire un sheet mask et je vais faire mes pores ici. C'est le truc en 3 steps. 15, 15, 10. Et ça c'est 10-15 minutes. Ok. Et puis si je me sens fancy, je ferai ça. Un masque petite sirène qui vient aussi de chez Action. Hop. Hop. Enfin petite sirène. Il y a la petite sirène dessus, mais je crois que c'est que des. Ouais, c'est que des. Comment ça s'appelle? Des coquillages. Hop. Set a timer for 15 minutes. D'accord. 눈이 제가 많이 커가지고 진짜 커. 내가 지금 오늘
Premier step done. Set a timer for 15 minutes. Okay. J'ai commencé un nouveau K-drama qui est sur Netflix, ça s'appelle Love Struck in the City avec Ji Hyang-woo. Voilà, je regarde ça. Voilà. Je regarde ça et j'ai déjà fait la première couche de ma main gauche. Donc let's continue with that. Is that a blanket? Who's a... She got well, now she's got da na na. Insert Tong Irony. B2B Tong Irony song. She's gone. No, like really? She left? She's not there anymore? Oh boy, she did not. The tea is hot and served. C'est Jimino. Wesh. J'espère que ça se voit à toi, ouais. What were the odds? Je viens de terminer une interview de lui. Et genre, je le vois dans un drame. En plus, je me suis retournée au bon moment, wesh. Bref. Je choisis toujours la veille mes vêtements ou genre le dimanche pour toute la semaine. Basic, but it always works. Du coup, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vais aller dormir, il est minuit 54. Je vais monter dans mon petit lit. À bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.